Shalom, shalom, ma bien-aimée sœur Grace. C'est la sœur Arlette. Le programme de Douala qui a fini là, le programme de novembre là, le frère Junior, lorsque nous étions à Douala, le Saint-Esprit l'a utilisé pour me pointer. J'étais là-bas au fond. Et il m'a dit, est-ce que tu crois que ce que tu as dans le ventre là, que tu es guéri? J'ai dit, oui, je crois. Il dit, est-ce que tu crois au nom de Jésus que ce que tu as dans le ventre là, tu es guéri? J'ai dit, je crois. Je crois au nom de Jésus que je suis guéri. Et il a dit, ne t'inquiète plus, va. Je suis partie avec la foi. Même comme je sentais encore mal, je suis partie avec la foi. J'ai rendu grâce au Seigneur depuis tout ce temps, jusqu'à ce que le programme de décembre commence. Je rendais toujours grâce à Dieu. Je rendais toujours grâce à Dieu. Je disais toujours merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci, merci Seigneur. C'est comme ça que le 27. J'étais à l'assemblée, nous étions à l'assemblée. J'ai fait un songe. Et dans le songe, nous étions comme si autour du feu, l'assemblée de Biémassi, nous étions comme si on était autour du feu. Et alors, il y a quelque chose qui est sorti de moi, comme ça, de mon vagin. Sorti, je tirais comme un long truc comme ça, là, long. Un peu blanc, pâle là, mais long. Je tirais, je tirais, j'ai tiré jusqu'à ce tomber au sol. Tout est sorti. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Donc, c'est ça qui m'empêchait d'accoucher. Merci, Seigneur. Lorsque j'ai dit comme ça, je me suis réveillée. J'ai prié. Je me suis prosternée, j'ai prié. Et je me suis rendormie encore. Quand je me suis endormie, j'ai encore fait un rêve. Je vois comme si j'étais dans un camp, comme si c'était un hôpital, parce que j'étais couchée sur un lit. Et il y a une infirmière qui est venue me donner un bébé, un beau bébé. Et elle m'a dit, on va vous transférer, on va vous transférer. J'ai dit, mais on nous transfère pourquoi? Donc, je réfléchissais ça dans mon cœur que, mais pourquoi on va nous transférer? Quand je touche le bébé, je vois que le bébé n'a que le par-dessus sur son corps. Il n'a pas été habillé. Donc, c'est peut-être ça qui faisait que elles se disent que le bébé a un problème. J'ai dit, mais Aka, le bébé n'a pas de problème. J'ai dit ça dans mon cœur que le bébé n'a pas de problème. Quand j'ai pris le bébé, je lui ai mis sur mon ventre, ma poitrine comme ça. Je lui ai couvert et je me suis réveillée. J'ai rendu grâce à Dieu encore et encore parce que lorsqu'il fait une œuvre dans une vie, il ne manque pas de l'achever. Il finit toujours ce qu'il a commencé. Parce qu'il est le Dieu fidèle, que toute la gloire lui revient, que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, ma bien-aimée.